Yoann, Maman. bonjour. Bonjour. J'ai besoin de te parler. Je t'écoute, maman. Ah non, 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 ne dis pas vite, je t'écoute, maman. Écoute-moi. Ça fait un moment que toi et Mélanie, vous ne vous entendez pas. Non. Tous les temps, non, ne dis pas non. Tous les temps, tu cries, tu t'effaces, tu viens me faire des rapports comme quoi Mélanie ne parle pas un Mais bon après, il français. ne donne pas de l'eau. Ah, tu continues, elle ne te donne pas de l'eau. Écoute-moi. J'ai pas encore fini. Et puis il m'a donné. Écoute-moi. Après, il m'a donné de l'eau. Ok, après elle t'a donné, tu vois. Écoute-moi. Tu viens me faire des rapports tout le temps comme quoi Mélanie ne parle pas bien français et tout ça là. Moi, j'ai pris une décision. Si, 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 j'ai pris une décision. Oui. Écoute, moi, ma décision est celle-ci. À partir de demain, je vais renvoyer Mélanie. Je vais demander à Mélanie de rentrer chez elle. Elle ne va plus travailler ici avec nous. Parce que toi et Mélanie, vous ne vous entendez pas. S'il te plaît, tu me fais pas ça. Ça veut dire quoi que je ne te fasse pas ça? Demain, Mélanie va rentrer chez elle et elle ne va plus travailler chez nous ici. Il n'y a pas de pardon, maman, qui tienne, Johan. Je suis fatiguée de vos disputes. Tous les temps, vous ne vous entendez pas. Je suis fâchée, maman. Même si tu es fâchée, qu'est-ce que moi j'ai à faire avec ta colère? Si tu chasses Mélanie, moi aussi je pars avec Mélanie. Tu pars avec Mélanie. Oui. Donc tu peux partir dès aujourd'hui alors. Parce que moi, je chasse Mélanie. Alors, si tu ne veux pas que je chasse Mélanie, tu vas me promettre d'être un bon professeur pour Mélanie. D'accord. Tu peux faire ça? Oui. Je ne veux plus vous entendre vous prendre la tête. Ok? Ok. Je ne veux plus entendre des disputes. D'accord? Oh, Je d'accord. peux compter sur toi? Oui, maman chérie. Ok, ça va. Bon, ben, moi, je te fais confiance, hein. J'espère vraiment que tu vas changer et que tu vas arrêter d'embêter Mélanie et que tu vas être un bon professeur pour elle. Oui? Tu vas aller demander pardon à Mélanie tout de suite. D'accord, faut le faire. T'es un enfant de Dieu. Vite! D'accord. Ah!